Oh alors, salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous montrer comment jouer à la GameCube et à la Wii sur un ordinateur. Alors dans cette vidéo je vais juste vous montrer pour la GameCube parce que je sais pas pour la Wii s'il faut une Wiimote ou quoi. Mais du coup là je vais vous montrer tout de suite. Alors c'est parti, on ouvre Google. Là on tape Dolphin. On a émulateur Dolphin qui apparaît là, on va prendre émulateur Dolphin, donc on clique sur le lien. Ici on fait télécharger Dolphin 5 pour Windows, Mac, Linux. Vous prenez Dolphin 5, la toute dernière version. À part si maintenant au moment où vous regardez la vidéo il y a une autre version qui est sortie. En version Windows x64 pour les processeurs 64 bits. Donc voilà, ça c'est parce qu'il faut un ordinateur un minimum puissant quand même, hein, avec une petite carte graphique. Donc là on le télécharge, on clique là, ça le télécharge. Une fois que le Dolphin il est téléchargé, vous l'installez. Donc c'est un programme d'installateur normal, hein. Une fois que c'est ça, vous avez un icône Dolphin qui est apparu sur votre bureau, vous le lancez. Là, vous allez apparaître sur une fenêtre comme la mienne où il n'y aura pas les jeux dedans. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est aller télécharger des jeux de GameCube ou alors de copier un jeu de GameCube sur l'ordi. Mais le mieux, c'est quand même de télécharger le jeu de GameCube, hein. Donc, je crois que vous avez le droit de le faire si vous possédez le jeu en lui-même. Mais sinon, la plupart des gens, ils prennent le jeu et puis voilà, quoi, hein. Donc, il y a des sites comme ça, comme Emu Paradise, si je me trompe pas. Emu Paradise, vous allez chercher dans la catégorie ROM ISO and Games. Là vous allez choisir GameCube, vous allez trouver Nintendo GameCube. Nintendo GameCube ISOs, voilà. Là vous allez chercher le jeu que vous voulez, donc là c'est par ordre alphabétique, vous choisissez le nom du jeu par ordre alphabétique, enfin bref, vous prenez votre jeu. Une fois que vous avez téléchargé votre jeu, il va pas apparaître ici. Vous allez devoir faire ouvrir. Vous allez devoir faire ouvrir. Et là, vous allez choisir l'ISO de votre jeu. L'ISO que vous aurez téléchargé de votre jeu. Donc vous le cliquez, vous faites ouvrir. Et il va, je crois pas qu'il va apparaître là, mais par contre, il va le lancer directement. Ensuite, avant de pouvoir lancer un jeu, vous allez devoir configurer votre manette. Hein, parce qu'avec les touches de clavier, ça n'a pas marché. Vous faites manette. Ici, vous allez choisir... non, je crois pas que c'est là. Ah, si, ça doit être là. Donc, ouais, vous faites configurer. Ici, vous allez apparaître, vous allez voir apparaître ça. Donc, pour ça, il faut que vous ayez branché d'abord votre manette sur l'ordinateur. Et il faut aussi, évidemment, que votre manette soit prise en charge par votre ordinateur. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tester en allant dans Appareil, ici. Là il y a Keyboard Mouse, donc ça Keyboard Mouse, donc ça évidemment c'est mon entrée clavier souris. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, nous c'est Gamepad, c'est la manette. Donc moi j'utilise une manette d'Xbox 360 et je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez. Donc moi elle est complètement compatible, hein, j'ai paramétré ça. Pour paramétrer ça vous allez faire bouton ici. Il y a A, donc en fait ça sera la touche que vous allez définir pour la touche A de la GameCube. Donc vous cliquez sur la case et vous allez cliquer sur la manette, enfin sur la touche que vous voulez de votre manette pour faire A. Moi je clique sur A, du coup ça me paramètre la touche. Donc pour toutes les touches c'est pareil. Pour les joysticks, vous cliquez, vous allez dans la direction que vous voulez avec votre joystick. Donc moi j'y vais vers le haut avec le joystick, quoi. Là il met left, y plus, donc c'est le joystick de gauche, left. Et Y+, c'est l'axe du joystick. Donc voilà, après c'est pareil pour tous les autres trucs. Et trigger, déclencheur, c'est les gâchettes. Donc moi j'ai mis que les touches L et L analogue, ça soit défini sur la même gâchette. Enfin bref. Pour les vibreurs, vous cliquez sur vibreur. Et donc vous choisissez Gamepad ici évidemment. Et vous allez cliquer sur le moteur que vous voulez. Vous allez faire sélectionner pour les deux. Pour qu'ils apparaissent tous les deux ici. Vous pouvez faire test aussi pour tester le vibreur. Donc voilà, une fois que c'est bon, vous allez pouvoir lancer votre petit jeu. Il y a des paramètres graphiques si vous voulez configurer, vous pouvez aller voir là-dedans. Mais je vous conseille de vous renseigner un peu sur internet. Je vais pas vous détailler ça en détail. Donc on lance le jeu qu'on désire. On a notre petite fenêtre qui apparaît ici. Là je peux la mettre en grand. Ou alors la laisser en... Ou alors la laisser en petit. C'est comme vous voulez. Donc en petit, c'est la définition originale. Donc là, je fais start. Je vais pouvoir vous montrer que c'est assez jouable. Donc en haut, on a les FPS qui apparaissent en temps réel. Et bah ouais, c'est vraiment plus important, hein. Et du coup, là, j'arrive à traîner vers 30 FPS, donc ça va.
Donc je vais vous montrer vite fait un niveau. Pour vous montrer que c'est jouable complètement. Donc il y a des petits ralentissements et évidemment ça reste toujours moins bien qu'une GameCube originale. Hein. Je vous garantis, hein, c'est toujours moins bien, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, avec ça vous pourrez jouer à tous les jeux GameCube que vous voudrez. Ah donc là avec le logiciel de capture ça ralentit un peu, je vais pas vous mentir. Avec un autre niveau. Je vous fais un dernier niveau. Ça lag. Et voilà. Alors voilà, c'était Accordé HP0 pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce tutoriel sur comment jouer au jeu de GameCube sur l'ordinateur. Du coup, je vous dis, pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Mettez un commentaire si vous avez des questions. Et aussi, je voulais rajouter que les processeurs Intel sont mieux gérés par le logiciel que les processeurs AMD. Hein. Moi, j'ai un processeur AMD, donc c'est pas le top. Mais les processeurs i3, i5 et i7, ça ira bien mieux qu'un processeur AMD. Donc voilà, c'était juste pour rajouter ça. Du coup, je vous dis pas, pensez à vous abonner pour pouvoir voir d'autres vidéos de ce type. Et voilà. Donc je vous dis passe une bonne journée et à la prochaine.